Les Octonautes et l'aventure en Arctique. Nous approchons de la base de réparation de l'Octostation, capitaine. Droit devant, Moussaillon. Cassie, active la phase d'amarrage. À vos ordres, capitaine. Attention, phase d'amarrage enclenchée, capitaine. Oh non! L'octocapsule a vraiment besoin d'être révisée, capitaine. C'est pour ça que nous sommes revenus, Quasi. Non, d'une nageoire! On va s'écraser! Cassie, active les commandes manuelles. Tout doucement. Encore un peu à gauche. Maintenant un peu à droite. Et voilà. Amarrage effectué. Beau travail, capitaine. Super. Waouh, la plateforme de l'autostation est impressionnante. Tu auras à ta disposition tous les outils nécessaires, Twig. Ça, c'est sûr. J'ai hâte d'utiliser cette toute nouvelle soudeuse. Prêt à commencer la révision, Twig? Capitaine, l'octocapsule sera réparée avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en bottes croquantes qui craquent. C'est parfait. Et pendant que tu répares l'octocapsule... On va enfin pouvoir se détendre, Moussaillon. Octonautes, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Ma longue vue, un bandeau de rechange et mon guide touristique de l'île du refuge des pirates. Allez, encore un dernier livre. Crème solaire, j'ai. Appareil photo, j'ai. Planche de surf, j'ai. On y va quand vous voulez, capitaine. Je suis ravi que tu m'accompagnes chez moi jusqu'en Arctique, Pesso. J'ai tellement hâte de rencontrer votre sœur ainsi que vos neveux. Nous y allons pour enseigner aux petits tout ce qu'il y a de plus important à savoir lorsque l'on vit dans l'océan Arctique. Nous allons parcourir cette zone enneigée, puis nager dans ses eaux glacées, traverser la banquise, et enfin nous atteindrons la mer de glace. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Après un long hiver, c'est là-bas que nous, les ours polaires, nous allons chasser. Ah, je me souviens encore de mon premier voyage sur la mer de glace. Cet ourson polaire, c'est vous? Eh oui, c'est moi. Et à côté, c'est ma sœur jumelle, Bianca. Cette photo a été prise à la fin de notre premier voyage sur la mer de glace. Et pour récompense, nous avons reçu notre premier insigne de scout polaire. Et voilà, à mon tour maintenant de remettre leurs premiers insignes à mes deux neveux. Allons-y! Twig, Nav et le professeur resteront à bord de l'octocapsule. Pour le reste de l'équipage, cette fois vous aurez quartier libre. Mais vous devez rester joignable en cas d'urgence. Twig? S'il y a quoi que ce soit, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et nous saurons vous localiser. On se revoit dans 15 jours. Salut les amis. Bonnes vacances, Moussaillon. À bientôt. Il est temps pour nous aussi de vous dire au revoir. Au revoir, capitaine. Écoutez, même en vacances, je reste joignable à tout moment. Donc, en cas de besoin, appelez-moi. Je serai de retour avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte, croquante... Enfin, vous m'avez compris. Ça va aller, capitaine. Ne vous en faites pas. Bon, très bien. À bientôt. On se retrouve à bord dans 15 jours. Occupe-toi bien de l'octocapsule, Twig. Comptez sur moi, capitaine. Il n'y a rien de mieux qu'une randonnée pendant un blizzard printanier. Ça vous stimule pour garder un rythme soutenu et cela sans fatiguer. N'est-ce pas, Pesso? Pesso? Je suis là, capitaine. Oh, je vais t'enlever cette neige.
Nous ne sommes plus très loin. Nous y sommes. Où est la grotte de votre sœur? Je ne vois rien d'autre que de la neige. Barnacle. Bianca, je suis si contente de te voir. Oh, où sont les petits? Là, derrière moi. Ils sont un peu intimidés, c'est la première fois qu'ils sortent de la grotte. Oh, la lumière me fait mal aux yeux. Est-ce que c'est grand? D'après toi, c'est grand comment? Viens, allons le découvrir. Youhou! Je vous tiens. Orson, Oursa, je vous présente votre oncle Barnacle. Est-ce qu'on doit t'appeler oncle Barnacle ou capitaine oncle Barnacle? Oncle Barnacle, ça ira très bien. Ah, oh, maman dit que tu es fort. Oui, mais tu es fort comment? Assez pour vous porter sur mon dos. Maman, elle dit aussi que tu es courageux. Courageux comment? Suffisamment pour être un octonaute. Laissez-moi vous présenter mon ami qui est aussi octonaute, Pesso. Bonjour. Nous aussi, on est courageux. Et fort. Regarde ça. Ça me rappelle notre enfance, quand on jouait ensemble tous les deux, tu te souviens? Vraiment? Oh oui. C'est de cette façon que les oursons polaires développent leur force. Tu te rappelles, on aimait jouer à se battre, n'est-ce pas? Et je te retournais toujours comme une plume. C'est pour ça que je l'avais surnommé Patte de Plume. Vous appeliez le capitaine Patte de Plume? Une seconde, je vais vérifier si tout se passe bien à l'octocapsule. Capitaine Barnacle à Twig. Oui, capitaine. Dites-moi, capitaine, vous n'êtes pas censé être en vacances? Si. Et je passe de merveilleux moments. Comment ça se passe à la base? Tout va très bien. J'ai remplacé les anneaux usés des bras de l'octocapsule et les végétaux repeignent la coque. Je constate que tout est sous contrôle, Twig. Évidemment, capitaine. Est-ce que je t'ai dit que la machine à chocolat chaud qui se trouve dans le QG ne fonctionne plus? Réparer la machine à chocolat. D'accord, capitaine. Allez, viens, oncle Barnacle. C'est parti! Très bien, les petits. Vous allez commencer votre initiation, un voyage que tous les oursons polaires doivent faire, et cela depuis la nuit des temps. Nous sommes la seule espèce d'ours au monde à faire ce voyage. Alors, vous êtes prêts à partir? Prêts! Et à gagner votre premier insigne de scout polaire? Oh! Oui! Vous allez commencer par escalader cette montagne. Oh! Surtout, prenez votre temps. Tirez avec vos pattes avant. Poussez avec les pattes arrière. Tirez. Poussez. Tirez. Poussez. Compris. On a réussi. Et maintenant, on va glisser jusqu'en bas sur le ventre, comme ça. C'est très bien, les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'étape du plongeon polaire et nager. Hop! Suivez-moi. Suivons-le. Ah! Oui! Servez-vous de vos pattes comme des rames pour avancer. Mettez-vous en file indienne et restez groupés. Ah, il n'y a rien de mieux qu'un bon bain glacé. Dommage de ne pas pouvoir partager ça avec l'équipage. Je suis fatiguée. Oh, moi aussi. Nous arriverons bientôt près de la banquise. On s'y reposera. Oh, en voilà une. Il y a une colonie de morses sur cette banquise. Ils défendent farouchement leur territoire. Oui, les morses ne partagent leur banquise avec personne. Nous en trouverons une autre. Continuons. Oh, je n'ai pas peur des morses, moi. Et toi? Non, on y va. Hé, hey, cette banquise est strictement réservée aux morses. Qui a dit ça? C'est nous. Oh oh.
les enfants? Ça va être difficile de les récupérer en sortant comme ça de l'eau. Il va falloir les surprendre de l'intérieur. Compris. Je reviens tout de suite, capitaine. Baissons! Excusez-moi, les morses. Oh, d'où peut bien venir ce pingouin? De quel côté de l'Arctique vis-tu? Il n'a pas peur, ce pingouin. Si vous vouliez bien vous écarter, les petits et moi, nous aimerions passer. Pas si vite, le pingouin. Oh, laisse-les partir. C'est pas toi le chef ici, c'est moi. Et pourquoi c'est jamais moi le chef? Tu es trop petit. Profitons-en pour partir. On marche à reculons. Je compte jusqu'à 3 et on plonge. 1, 2, 3. Tu vois? À cause de toi, ils sont partis. Oh non, c'est à cause de toi. Non, c'est ta faute. Sûrement pas. Bien sûr que si. On a réussi. Merci, Pesso. Oh, vous êtes tous les deux sains et saufs. Je vous interdis de vous éloigner du groupe. Bon, allez, vous pouvez grimper sur mon dos. Oui, merci, maman. Si tu veux bien, j'en prends un. Et toi, tu prends l'autre. J'ai repéré une banquise inhabitée où on pourra se reposer. Oh, enfin! J'hésite un peu, Barnacle. Je trouve que la glace est trop fine. Ah, c'est l'occasion de prendre une leçon de survie polaire. Écoutez, lorsque la glace est fine, allongez-vous sur le ventre, ça l'empêchera de se briser. Très bien. Pas ici que nous pourrons nous reposer. Nous devons vite trouver une banquise pour faire une halte, Barnacle. J'avoue que moi aussi, je commence à être fatiguée. Venez, les enfants, grimpez tous les deux sur mon dos. Ça soulagera votre maman. Pesso, tu nages sous l'eau beaucoup plus vite que nous. Explore les alentours et trouve-nous une banquise. Tout de suite, capitaine. Hop. Est-ce que tu vois une banquise, oncle Barnacle? Pas encore. Cette année, il y a beaucoup moins de blocs de glace que d'habitude. Capitaine, j'ai trouvé une banquise droit devant. Oh, il était temps. Très beau travail, Pesso. Conduis-nous. La voilà! Est-ce que c'est joli? Oui, c'est parfait. Oh, enfin, nous avons nagé très longtemps. On a mérité de se reposer. Oh, eh bien, n'y comptez pas trop. Cette banquise est en train de fondre. Nos pattes commencent à s'enfoncer dans l'eau. Heureusement que nous, les ours polaires, nous pouvons nager sur de longues distances. En ce qui me concerne, j'ai nagé jusqu'ici depuis le Canada. C'est difficile de trouver des banquises épaisses cette année. Difficile? Vous voulez dire impossible? Pas de glace, que de l'eau à perte de vue depuis la Norvège. Oui, la banquise la plus proche se trouve au Groenland. Nous venons tous de différents points de l'Arctique. La Norvège, le Groenland, le Canada et l'Alaska. Mais aucun de nous n'a réussi à trouver la mer de glace. Peut-être que nous devrions nager un peu plus vers le nord. Justement, j'en viens du nord, de la Russie. Je n'ai pas vu le moindre bloc de glace sur des milles et des milles. Ici, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour enfin me reposer un peu. Par ici, vous deux. Restez bien ensemble. Surtout, restons tous étroitement groupés. Formons un cercle. Tenez-vous la patte. Le vent souffle de plus en plus fort. Et les vagues sont de plus en plus grosses. Cette fois, nous avons un gros problème. Gros comment? Ça va aller, on va trouver une solution. Écoutez, rapprochez-vous les uns des autres. Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? Non, mon chéri, c'est trop loin. Non, la glace est en train de se briser. Oncle Barnacle, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire.
octonautes depuis l'océan Arctique. Octonautes, Aurora, nous sommes coincés sur une banquise en pleine tempête. Et la glace est en train de se briser. Capitaine, nous arrivons le plus vite possible et par n'importe quel moyen. Capsule est-elle prête à appareiller? Eh bien, je n'ai pas eu le temps de réviser le système de navigation, mais je crois qu'il devrait tenir le coup jusqu'à l'océan Arctique. Cassie? J'active le lancement. Allez, sois gentille, tiens le coup, Octocapsule. Je refais une tentative de lancement. Allez! Vas-y! Lancement réussi! Ouais. Ils sont en danger, nous devons rejoindre le capitaine plus vite que ça! Peux-tu booster la machine, Tweak? Je vais essayer! Alors, si je débranche ça... et que je le rebranche ici... C'est bon, Quasi! Appuie sur le bouton rouge et accroche bien ton bandeau! Capitaine, on arrive! Ne vous lâchez pas! Je vous tiens! Oh, merci beaucoup! Vous êtes très fort, capitaine! Oh non! Nous allons bientôt avoir les quatre pattes dans l'eau! Nous allons couler! Voilà les renforts! Et juste à temps, capitaine! Ah, merci d'être venu, Octonautes! Mes moustaches! Surtout, ne paniquez pas, les amis! Octonautes, on passe à l'action! Plus qu'à récupérer le capitaine et... Capitaine? Nom d'une nageoire! Où sont le capitaine et sa famille? Quasi à Capitaine Barnacle! Où êtes-vous, capitaine? Capitaine, allez, répondez! Regarde là-bas! Ah, ici Barnacle! Bien, que diriez-vous d'une balade à bord de l'octocapsule? On va aller dans l'octocapsule? Oui! Barnacle à l'octocapsule, nous sommes de retour. Comment ça se passe? Capitaine, j'ai localisé la mer de glace, mais elle est trop loin pour que les ours puissent y aller en toute sécurité. Alors nous irons tous ensemble à bord de l'octocapsule. C'est bon, capitaine. Tous les ours polaires sont déjà à bord, près du bassin de lancement, à boire du chocolat chaud. C'est délicieux. C'est très gentil. Merci. Je vous en prépare une tasse tout de suite, capitaine. Hein? La séquence de lancement vient de s'activer toute seule. Oh non, il y a sûrement eu un faux contact entre la machine à chocolat et le système de lancement. Par mes moustaches, si l'octocapsule va par le fond, le choc de l'impact la réduira en miettes. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Capitaine? Pas de panique, je m'en occupe. C'est moi qui fais ça d'habitude. Tweak, ouvre. L'octo écoutille. Oh.
accrochez-vous. Cassie, on passe. En commande manuelle. Allez, stabilise-toi. Tout corps plongé peut, oui, remonter. Allez. Stabilisé. Votre attention à tous. Regardez le ciel, les amis. Ce spectacle est unique. Une aurore boréale. Oh, comme c'est beau. Aujourd'hui, les enfants, vous avez fait preuve d'un grand courage. C'est vrai, on a été courageux. Courageux comment ? Suffisamment pour mériter votre premier insigne de scout polaire. Même si on n'a pas réussi à atteindre la mer de glace ? Oui, même si vous n'avez pas réussi à atteindre la mer de glace. Maman, Pesso, regardez. Bravo, mes chers. Oui, félicitations. On a de la chance que vous soyez venus sur notre banquise. On ne s'en serait pas sortis sans vous. Eh bien, je n'étais pas seul. Et grâce à l'octocapsule, nous allons pouvoir rejoindre la mer de glace tous ensemble. Oh, merci, capitaine. La mer de glace est notre véritable chez-nous. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Et vous alors, capitaine? Où est votre chez-vous? Lorsque je suis à bord de l'octocapsule avec vous, le monde sous-marin est mon véritable chez-moi. Oh.